Madame, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réflexion. Réflexion, c'est une émission que nous avons lancée ici depuis 2019 où nous réfléchissons sur la Constitution et l'application de cette Constitution dans l'actualité de la gouvernance de notre pays de jour en jour. Nous analysons le fait que est-ce que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont au pouvoir, sont en train de respecter la Constitution. Depuis 2019, nous avions commencé à lire la Constitution, à vous amener les informations qui se trouvent dans les lois fondamentales. C'est ça qu'on appelait ça dans le temps, les lois fondamentales, la Constitution, qui est passée au référendum, qui a été rédigée ici en Afrique du Sud, par les Congolais, et je l'ai dit parce que ce n'est pas simplement parce que ça a été rédigé ici en Afrique du Sud qu'on peut l'appeler la Constitution de la République, donc la Constitution des étrangers. Alors, la discussion est partie de cette confirmation de notre président de la République qui a manifesté l'intention publiquement à Kisangani en disant qu'il faut changer ou bien modifier la Constitution. J'y reviens pourquoi ? J'y reviens parce que nous avons eu à donner notre point de vue dans une émission de notre confrère Fiston Pelende sur la radio Le Collège. J'ai eu beaucoup de messages, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me poser la question pourquoi est-ce que j'étais si bref. C'est ainsi que j'ai décidé de revenir encore une fois de plus pour expliciter ma position. Parce que beaucoup n'ont pas compris lorsque je disais que je suis pour la modification ou bien le changement de cette Constitution parce que c'est depuis 2019 que j'écris sur les réseaux que j'ai dit que notre Constitution comportait des histoires qui ne faisaient pas, qui n'étaient pas vraiment en accord avec la gouvernance de notre pays. Ça nous donnait beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a certains articles dans la Constitution qui ne cadrent pas effectivement avec ce que nous devrions faire en principe. C'est ainsi que je me suis dit, je vais y aller un peu en profondeur aujourd'hui en vous expliquant encore. Je ne lirai pas les articles de la Constitution, s'il vous plaît. Si vous voulez avoir ces articles-là de la Constitution, vous pouvez aller dans mes vidéos qui sont sur les réseaux ici, où je lisais et là où je disais que voici là où ça ne marche pas depuis 2019, et que je crois je suis revenu sur ça à deux ou trois reprises. Alors aujourd'hui je vais justement donner quelques détails sur ce que je parlais dans l'émission Radio Le Collège, sur Radio Le Collège, où j'ai exprimé mes inquiétudes et le pourquoi de ce changement et comment ce changement ne peut pas être opéré maintenant. Aujourd'hui, je vais y aller, mais je vais commencer par vous donner les grandes lignes qui font à ce que notre Constitution de 2006, ici, aujourd'hui, fait à ce que ça ne marche pas. Voilà ce qui va nous réunir cet après-midi pour ceux qui me suivent. L'après-midi, pour ceux qui me suivent le soir, c'est ça le titre que nous allons développer aujourd'hui. Mais avant d'aller un peu plus loin, comme d'habitude, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons sur notre sujet. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. Le gouvernement se fixe l'objectif d'acquérir 60 avions neufs à l'horizon. Nord Kivu, 4 civils assassinés en l'espace de 2 jours à Goma. Et puis Nord Kivu toujours, indignation de la FEC après le scellage d'un hôtel à Goma. On va sur actualité.cd. Le budget 2025, comment un militaire touche $100 avec 4 milliards de dollars et touche $80 avec un budget de 17 milliards, s'interroge le député Claude Missare, plaidant pour un salaire de $500 pour les militaires. Irumu, 118 otages échappent aux ADF lors d'une opération conjointe FARDC-UPDF.
Félix Tshisekedi lance l'évaluation trimestrielle du gouvernement Simunia en novembre. Congo profond, le paradoxe du pouvoir, attraction, corruption et déchéance. Ça, c'est une réflexion. Et puis, APK, validité du député provincial Alphonse Kadima, fait du changement de Kimbassé que son maître mot et cheval de bataille. Jean-Pierre Bemba et son rêve de flotte aérienne, le grand cirque des avions. 7 sur 7, Kinshasa, l'Assemblée provinciale valide le pouvoir de 6 suppléants. Projet de loi finance 2025, le budget alloué à la sécurité augmente de 25,2%. Enfin, Jules Alinguete, Matata et l'auteur présumé de malversation financière de 208 millions de dollars de Bukangalonzo. On va terminer par Radio Okapi. Est de la RDC, le média pris par le cible de violence, attaque, alerte, GED. Redo alerte sur l'insuffisance de magistrats dans les tribunaux Beni Boutembo et Lubero. La MONUSCO forme une unité spéciale de FARDC sur les techniques de guerre. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci encore une fois pour votre fidélité. Je suis très ravi de ce que vous êtes en train de manifester comme intérêt à nous suivre et en nous appelant pour nous poser certaines questions, en restant avec vous au téléphone pendant longtemps pour expliciter ma position. Ma position est claire, et c'est par là que je vais commencer, Bandeko Nangai. Ma position est claire, c'est-à-dire que notre constitution de 2006, que nous avions voté comme, disons, passé au référendum, après le référendum, que nous avions accepté que cela soit notre loi fondamentale, comporte des incohérences dans 4 chapitres. Donc, sur l'exercice du pouvoir, sur les relations entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux, sur l'impunité de ceux qui brochent ou bien la Constitution, ceux qui massacrent la Constitution. Pourquoi ? Parce que, en principe, si vous êtes nommé gouverneur, si vous êtes nommé ministre, vous travaillez dans le cadre, la constitution devra être claire sur tout le travail que vous allez faire. Ça c'est un, ça c'est et la constitution devrait être sur toutes les tables de travail des ministres, des gouverneurs de province, des administrateurs de territoire et tout, parce que c'est là où vous trouvez votre exercice de pouvoir. Place wanande okutaka, nini yango ifo sala. Mobeko elobi nini, eloko nini yango ko sala. Ça se trouve pratiquement dans cette constitution qui devra être un manuel que vous devrez mettre sur table. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouve tout ce que vous devez faire dans l'exercice de votre pouvoir. En commençant par le président de la République, le premier ministre, les gouverneurs de provinces, tout ça, ça se trouve dans la Constitution. Cette Constitution est aussi accompagnée par ce que nous appelons les lois organiques. Les lois organiques sont modifiées, sont traitées au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a le quatrième problème qui se trouve entre les législateurs, les judiciaires. Le pouvoir législatif, donc notre Parlement et notre Sénat, exercent-ils leur pouvoir en fonction de la Constitution? Ça, c'est ça. Ce sont des cacophonies qui se trouvent, que nous constatons tous les jours et qui nous montrent comment est-ce qu'il y a des insuffisances dans cette Constitution-là. Et c'est là où moi j'ai touché en disant qu'il fallait absolument, depuis 2019, que nous puissions nous y atteler à réfléchir. Comment est-ce que nous pouvons modifier ces articles-là qui sont pratiquement, qui causent la cacophonie? Nous allons citer par exemple dans les affaires judiciaires l'impunité de ceux qui volent notre République. Que dit la Constitution? Nous allons voir là qu'il y a des gardes qui volent, qui s'en vont et qui évitent d'être au niveau de la justice. Bako outa na bazala ki ba ministre ba ibi mbongo, après ko iba mbongo, tant que l'élection est au lieu de poursuivre Bango, la Constitution ne dit absolument rien. Tokoyi kotika la na mobeko a marque wana te.
okomona bango wana bakozlongwa na nani na niveau parlementaire ou be bazaki ba ministre malheur na bango soki ba tombe bazali sous eloko moko te ba il faut bazala transmis na ba juge na bango na tirel okomona batu wana nde mtu bakomi wapi bakomi na Sénat ou ils reçoivent encore des immunités. Voilà les incohérences qui me poussaient justement depuis le début, depuis 2019. Je le répète, c'est pour la quatrième fois. C'est que Nazolo Belango pour Anine, parce que pour que vous puissiez comprendre exactement, il faut tout changer constitution. Donc, ça, ce sont les incohérences qui font à ce que constitution Otozanango. Et ça favorise une certaine classe politique. Ce qui va yibi, constitution, et ça protéger Bango parce que et ça kolobelo ko mon côté pour na ko punir par exemple le président, l'ancien président de la République, pour na ko punir par exemple un ancien premier ministre, yangwana bomona qui a fait matata et ça rebondir et que na justice et zonga na cour constitutionnelle et que ezui solution te. Ça devrait être vraiment modifié ou amende pour que toloba mutu oyo asala ki mabe na tango exercice a pouvoir na ye toko juge ndenge nini. Ça c'est une aberration. Donc ezala batu o baza ko échapper na nani ya justice. Justice c'est comme qui na problème ya ko juger matata. Justice c'est comme na problème ya ko juger Kabila le fils. C'est dans la constitution qui le protège. Alors j'ai entendu nanani moko sangwa zaki koloba kalobi batu o ba rédiger ki constitution na es basala ki ba testament na bango pour ne pas pour échapper justement à la justice. Babilo ko na ndo na za koloba na lobi il faut babilo ko biso ba congolais total ndenge nini ya ko changer yango ya ko modifier yango ou soit ko tala ndenge nini ya ko salela yango. Donc ba koko so wana yango na lobaki na lobi ezali ebele na kati ya constitution na biso ba pouvoir central par exemple gouvernement central musala nango na musala oya ba gouvernement provincial na banani na TikTok nanga moko na yebisa kibino na lobby gouvernement central na kati ya praticabilité okomona bazana ba 58 59 ministres parfois 60 ministres mais les gouvernements provinciaux ils n'ont que 12 ministres ba okikole kakuna te. Vous voyez que le pouvoir est allé justement etikalika na pouvoir central alors la base ne se retrouve pas. On a des abacos au tozako lobela awa et que peut-être naissika mususo koyoka kaba tozako crier changement constitution. On pense directement aux articles verrouillés tant que Félix Tshisekedi azolo balingi a changé constitution. Est-ce vrai? Namutema naye mokonde aye azaye biango mais tant que tozako yoka batu naye bazako lobande ngwana nous pensons directement qu'il veut conserver le pouvoir et yemoko alobaka lobi kokoso ezako le kanaba assemblée provinciale les gens ne s'entendent pas il faut nommer les là nous revenons pratiquement nous bronchons la constitution nous trahissons cette constitution là. Or le président de la République avait prêté serment en respectant cette constitution là mais l'a-t-il appliqué? Est-ce que c'est la constitution qui l'a empêché d'appliquer toutes ces articles dans le fonctionnement naé parce que ça va prérogative naé. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que le président de la République n'était-il pas capable d'exercer tout simplement pouvoir naé au lieu que Luka moyen caporaliser même justice? Nous avions vu beaucoup d'aberrations sur la nomination même des gens qui sont des juges à la Cour constitutionnelle. Babilo ko belé wana tobanda ikolobelango depuis 2019 que il faut to kanisa. Et comment est-ce que nous pouvons arriver à aller justement réfléchir comment est-ce que Tokiko Bongisa Bilokwana? Parce que Bakoko Sweza Ebele, jusqu'aujourd'hui, Matata n'est pas jugeable. C'est à cause de la Constitution. Jusqu'aujourd'hui, Kabila Bokiko a arrêté été. C'est toujours à cause de la Constitution. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous pouvons tout parler. Nous pouvons dire que Constitution est malamouté, Constitution est malamouté. Toboyaka déjà en 2016-2017, Toboyaka déjà modification ou va toucher constitution Oyo. Pourquoi? Quelle était l'idée? Pourquoi Toboyaka yango? C'était pour justement éviter à Kabila de prendre le troisième mandat. Nous avions eu beaucoup de gens qui sont morts à cause de ça. Pourquoi? Parce que nous voulions respecter alternance wana ekendekenano. Alternance wana soki ekomi kokende. Maintenant, ça va nous permettre aussi de réfléchir. Parce que la Constitution nous dit qu'il ne peut pas être modifié
pendant l'état de siège, c'est écrit dans la Constitution que vous ne pouvez pas entamer une modification si une partie de du territoire est en guerre, par exemple. Mais là, on fait fi comme si rien ne se passe à l'Est. Pendant que nous avons à peu près 3-4 territoires que nous ne maîtrisons plus, qui ne sont plus de notre État. Donc, changer la Constitution en Ngeni. Voilà les cocosso oyo Félix Tshisekedi azokuta nanango, mais il se lance comme ça, on se pose la question, est-ce que ce monsieur est en train de réfléchir? N'est-il pas en train de violer encore cette même constitution qui le protège, qui l'a hissé au niveau de l'État? Est-ce qu'il réfléchit? Place orande toza komituna. Tolobi, mais papa oyo, qu'est-ce qui se passe? Vous allez, c'est comme si vous êtes en train de nier votre maman. Muto a mema ki ona bomoi olobite yo yote nga yo za mama nangati. Vous devriez plutôt défendre cette constitution jusqu'à la fin. Otozo alternance mususu deux mandats na yo esili. Pendant ces deux mandats na yo, nous avions dit que nous allons accompagner Félix Tshisekedi. Ce n'était pas en criant Fachi Beton, mais en réfléchissant comment effectivement constitution na biso ekoki kozala changer pour que tozala à l'abri à Babilo koeza kosale malelo. Okomona batwebele ba yibi mosolo, bango na bakoti prison 2 jours, 3 jours, ba libere bango, on ne sait pas. Ba libere bango pourquoi? Nous avons vu Tshisekedi lui-même qui viole la constitution dans la nomination des juges. Et puis que Kokoso ezali. Mais comment est-ce que nous allons faire ça? Comment est-ce que nous allons accepter aujourd'hui? Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le peuple congolais ne sera jamais capable et n'est pas capable d'accepter le changement de cette constitution ou la tentative même de la modification, parce que le soupçon plane. Ba congolais nyo so bayebi que non, Félix Tshisekedi a échoué dans son premier mandat. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire dans le deuxième mandat et il est en train de chercher encore un troisième mandat. Troisième mandat wana zo lukango na ndenge nini na changement à constitution. Ce qui t'a changé la constitution, c'est-à-dire que nous faisons le coup d'État. Nous avions prévu ça depuis 2019 en disant ceci. Président de la République, talaba kokoso oezana katia constitution. Et quoi empêcher bisoto évoluer malamo? Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir comment est-ce que t'as oué changé en go? Mais il y a une difficulté, bande konangaye. Difficulté en oezani. Difficulté en go ezali et bandi na Tshisekedi te. Plutôt na Kabila tango azui bokonzi na 2006 après référendum to voté tout ça boye bibino moko comment les votes ont été faits en 2006 boye biango comment ba koko soza la kebele la CENI, il y avait des désorganisations et lo kwana nyoso euti wapi, parce que c'est là que nous devons nous poser la question euti wapi. Nous devons nous poser la question, d'où vient le problème? Le problème, moi ici, je veux le situer au niveau des recommandations qui ont été faites en 2001. Bayokana ki awa constitution ngo esalemi et puis ba belligérant bayokani balobi bon OK, nous allons aller au référendum pour que to faire passer constitution auto yokani awa et puis à partir de là nous allons aller aux élections. Poto élire président de la République. Référendum, il fallait et ça les makoma. C'est par là qu'on devrait poser la base. Les recommandations ont été faites par le gouvernement de transition en disant la première des choses, vous devez savoir qui est congolais et qui ne l'est pas. Les belligérants se mettaient ensemble justement pour confectionner un texte qui pouvait les arranger. Et là, vous allez constater encore dans les discussions des gens qui sont en train de passer sur les réseaux sociaux en disant que non. Constitution na batuba sala ki angweza ba étranger batuba sala ki boye les quelques érudits vous expliquent comment est-ce que ils ont aménagé un texte qui pouvait aménager batuana bazala ki kuna, ils ne pouvaient pas se laisser dehors. L'impunité a été clarifiée à Koloba, il faut toyer ba nani angweza nani. On devrait faire un recensement et une identification avant toute chose. Et ça, ce sont les missions qui ont été faites pour le gouvernement d'union et de transition de 1 plus 4 en disant répertorier tous les Congolais pour que nous puissions avoir un annulaire de tous les Congolais. Ça n'a jamais été discuté par les gens ici. Or, gouvernement, nous avions vu
comment est-ce que dans le gouvernement 1 plus 4, le combat est continué? Pourquoi? Parce qu'on avait fait un texte qui pouvait accommoder tout simplement ces gens-là. Alors, au cours de leur puissance, dans les gens qui ont la puissance, dans les gens qui ont la puissance, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit ils sont finalement dans le gouvernement à transition, bah, là qu'ils sont 1 plus 4, bah, comment qu'ils sont 1 plus 3. Ça, vous le savez. Donc, Kokoso et Banda Kakuna, et Kabila a repris le pouvoir, Mwana Abatu, à 29 ans, quand il a été élu, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il a les choses qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas fait les recommandations, justement, lorsque on devrait identifier et former une armée. Nandenge a kofsa la armée wana, il fallait zalanan ou l'identification. Toye baba nani ango bazanan ou ba congolais pour que toye bandenge ni toko former armée. L'armée n'a jamais été bien faite, n'a pas été faite selon l'esprit du constituant. Et salamaka na modèle wana te, salamaka na volonté à moutou, ou a bandigo zolo ka pouvoir, tout ça. Il a réussi à avoir le pouvoir, il a réussi à terroriser tout le monde, il a réussi à prendre tout ça. Même le gouvernement n'avait plus à dire, il n'y avait pas une certaine confrontation. La division du pouvoir, n'est constitution, et ça l'est maté. Dans le modèle, on a évolué. C'est comme ça que quelqu'un, tout le monde se pouvait se dire que non, on a comme président, si j'ai... Je maîtrise tel secteur, quatre secteurs, ou bien parlement, nakosala kaboye, tout ça. Nous avons vu comment notre armée a été formée avec les mercenaires. Bah, bon, je parle, les belligérants, j'ai dit. L'armée, bah, fusion, y a bah, rébellion, wana, bah, tout, bah, yé, tout ça, l'armée, moko. Est-ce que cette armée a été une armée cohérente? Ça laisse à désirer. Et c'est par là, lorsque Totali armé Moko, parce que c'était maintenant la volonté de Joseph Kabila. C'est lui qui maintenant maîtrisait Yende Mtozala qui n'a pouvoir à Kosa la armée Wana. Armée Wana et Salamaka. Tant que l'armée Salamaka et Zalaka na volonté, Yamokonzi. Parce que c'est lui qui commençait à intimider les gens, Batindi, nani, na ce pays, tout ça. Donc c'est lui qui était le maître à jouer pour que Asa la armée Wana. Armée Wana et Salamaki na ye. Et vous avez vu que même dans les élections de 2006, on parle que c'est Jean-Pierre Bemba qui devrait en principe gagner. En 2011, il y a eu des tricheries. En 2018, Bilokwane Salemaki. Et justement, Tshisekedi a hérité de toutes ces mésaventures de ses prédécesseurs. Ma prédécesseur n'a donc pas salaki, ma misala moko ya malamouté. Ils n'ont pas été capables de faire une armée, c'est que lorsque la constitution demandait. Mais c'était justement à lui, Diakolo Bakengo, ngai na ye na bokonzi, na ko respecter constitution oyo. L'a-t-il lui? Connaissait-il les méandres de cette constitution avec qui il s'est entouré? Parce que c'est là, quand il jure fidélité et respecter, à appliquer toutes les lois de la République, il devrait les connaître. Est-ce que tu sais que derrière la constitution, on a mis de l'article 1er jusqu'à l'article 220? Ça, il faut que nous puissions encore nous dire que toi, yeba nini ango salemaka. Est-ce que tu sais que derrière biango? Est-ce que tu sais que d'attendre quand même constitution? Nous l'avons vu dans les manifestations ou bien dans les interviews avec la communauté internationale qu'ils disent que non, ça c'est une question d'expert. Mais lui-même, l'erreur qu'il a commis, par exemple, quand il a jeté la mare, c'est-à-dire que nous sommes entre la modification et les réformes. Lui-même ne sait pas exactement ce qu'il veut. C'est pour cela qu'il sera difficile à ce que le peuple congolais puisse l'écouter. Et Bandi Makeno, tout modifier la constitution. Quel est le schéma qu'il prévoit? Nommer une assemblée constituante, à comme nommer un Ondengenin, sur quelle base? Quel est le pouvoir qui va lui donner de faire ça? Parce qu'en principe, dans le modèle Otozali, s'il y a modification, le président de la République, disons, il y a modification de certains articles parce que la Constitution elle-même confirme et puis permet à ce qu'on puisse changer certains articles qui sont changeables. Notamment, on a eu ça qui est entre
entre les gouvernements, par exemple, à la province, les relations entre le Premier ministre et le Président de la République. Naïeb Sakibino Makambo a impunité à la acteur Salawana. Et puis le pouvoir judiciaire, il y a des articles qu'on peut modifier. Et il y a une certaine procédure qu'il faut suivre. Tshisekedi ne nous dit absolument pas de ces procédures-là. Il parle tout simplement qu'il convoquera une certaine assemblée constituante pour réfléchir à la modification à la Constitution. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les articles qu'ils nous citent ici, ce sont justement les articles verrouillés, notamment mandat à président de la République. Et ça, c'est ça qui élève les soupçons à Kolobakeno. Batubaza ko douter na bonne volonté à Félix. En se disant que ce monsieur veut s'éterniser au pouvoir. Voilà Bandeko, le quelques lignes que Ngana Bandeko Kanisakeno, Naebi Sabino, effectivement, pourquoi cette constitution d'aujourd'hui devra être changée ou modifiée. Mais moi, je compte sur le changement parce que nous prenons ici la 4e République. Et la 4e République devra être à corriger effectivement les erreurs qui ont été dans la 3e République. Parce que bon, la constitution autozanango, ezalaka justement et outina to outina ba rébellion et sangisi biso mboka ezalaka diviser to zongi na mboka moko et permettre biso, ça c'était l'objectif de cette constitution. L'avons-nous atteint? Je ne pense pas, parce que aujourd'hui nous revenons encore dans cette histoire là. Il y a la division M23 Kangi, côté Moko, gouvernement dans la contrôle Nangote. Et petit à petit, lorsque nous sommes en train d'acheminer dans le mandat Tshisekedi, il est en train de perdre des territoires. Et donc, nous sommes en train de tendre encore à cette situation
de 2000-2001 où la République est allée qui émiettée. Les questions fondamentales n'ont jamais été élucidées. Or, moi je pensais que si c'est que d'ici il était malin, il devrait venir au pouvoir et maintenant se dire Bandeko, le grand problème de notre pays c'est celui-ci. Lui n'a pas réfléchi sur ça parce que nous connaissons la façon dont il est venu au pouvoir. Il n'a pas réfléchi sur ça. Yangwana etikaka est toujours Libanda. Mes chers, Naïb Sibino, Yangwana etikaka est toujours Libanda parce qu'il n'avait pas réfléchi sur les problèmes réels de notre République démocratique du Congo. Or, nous ici, nous nous disons, le problème réel de notre pays, c'est d'abord cette recommandation que tant que tu promulguer la constitution d'Abisso, qu'est-ce qu'il fallait faire après ça? Et là, il fallait qu'on s'en. Et c'est par là que moi je pense que Félix Tshisekedi devait puiser politique nae pour na kozongi sambo kanabiso pour na ko corriger ce que Kabila n'avait pas fait et corriger ça pour que nous puissions remettre à ce que la constitution puisse être appliquée vraiment na ndenge à bien. Et c'est par là que j'ai dit depuis 2019 que il fallait que Tshisekedi allo balikambo ba prezibana ne on attendait libino a ba kokoso oana oh ya trouva ki que il faut qu'on modifie na kati ya constitution na biso. Félix Tshisekedi n'a jamais fait ça. Et c'est là le grand problème bande konanga. Tshisekedi n'a jamais fait ça. Donc il est venu au pouvoir sachant que le pouvoir est le pouvoir. Maintenant, s'il lance aujourd'hui qu'il y a comme ça l'assemblée constituante, quel est le schéma? Il n'en parle pas. Et c'est par là qu'on a dit que à quoi rassembler kakabatunaye bah et bisaye que non bon, te modifier boy et puis bon bah déverrouiller article 220. Et là ça ne sera pas nous, ça ne fera absolument rien. Notre solution que nous proposons ici, Bande Konanga, na Contact Pro Life, na Kosabinote, c'est une proposition de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, justement pour corriger les mésaventures que nous avons eues depuis 2006 jusqu'à 2023. C'est par là que j'ai dit que si Tshisekedi était intelligent, il pouvait maintenant se rattraper à temps dans le mandat Oyo. Yakoloba. Tout corriger dans nos bananes. Commençons par ce que la Constitution nous avait demandé. Tout qu'elle n'a décentralisation. Tout faire effectivité à décentralisation. Pourquoi? Parce que dans la décentralisation, qu'on a des possibilités à couper sa pouvoir na base comme les constituants voulaient. Parce que vous avez suivi, tout le constitution, on a un fédéraliste, un unitariste, jusqu'à ce que tu aies bon milieu. Est-ce que nous avions appliqué ça? Bagéguer, Oezako Salem, on a une assemblée provinciale pour que la Cour constitutionnelle corrige ça. Ça, c'est une violation de la constitution. En principe, les provinces devraient d'abord commencer à régler leurs problèmes au niveau là-bas. Mais elle a un Salem. Et c'est ainsi que nous nous proposions que il faut tout ça là. Un état de lieu de chaque territoire afin que nous devons rendre conscience na Congolais à la base que ce pays ne lui appartient qu'à lui. Et ça, mboka na ye moko mutu mswa koya ko diriger na place na été. C'est en lançant ce débat là au niveau des territoires, batuba vandi balobi koko son abiso ezala kanini ao. Naninda ibaka ao. Comment est-ce que toki ko sala ke mutu ayibate? Qu'est-ce que nous pouvons élever comme conscience pour que tout ton mboka na biso moko? Et c'est là où nous avions dit il faut que nous puissions appeler les états déliés de chaque territoire au batumsusu bazolo ba dialogue entre politiciens. Moi j'ai dit que non, ce n'est pas les politiciens qui devraient se parler. Le problème est tellement profond qu'il faut faire parler le peuple à l'air donnant la liberté totale de reconstruire un nouveau Congo. Yakoloba biso toza Congo mais awa pa na biso voici ce que nous pensons et que ce qui tolongwe na ba territoire toyo ko sala harmonisation ba texte na niveau ba province ainsi na ba niveau ba province ce qui to harmoniser te ba texte ya ba territoire tozui wana tozui ngo toke na ngo na niveau national pour que nous puissions avoir l'harmonisation des textes qui nous donnera une nouvelle constitution qui sera appliquée après le mandat de Tshisekedi. C'est ainsi que nous nous sommes dit que il faut qu'il y ait une certaine méthodologie. Et puis Tshisekedi aye bisaba congolais, comment il va le faire s'il veut changer la constitution? Va-t-il se faire un coup d'état? Si c'est cela qui va amener à changer la constitution, je ne pense pas que le peuple congolais est capable aujourd'hui d'accepter cette histoire-là. Et donc nous nous sommes dit,
il faut qu'il prépare cette modification ou bien changement à la constitution. Modification à Kossale Mandengenini pendant que nous sommes en guerre. Modification à Kossale Mandengenini pendant que nous n'avons pas encore un fichier de tous les Congolais. Chaque fois nous avons Tozana Kokosa qui organise une élection. Bande Konangai. Chaque fois nous devons recommencer la CENI. Chaque fois. Babilo Konanyoso, Ezako Senga, que nous puissions avoir déjà une liste de tous les Congolais. D'abord, parce que c'était la première recommandation qui était donnée au niveau de la. Au niveau de la. Il y a. Tango Constitution. Salemaka. Ezalakaba. Mission. Oyoba Pesaka na gouvernement de transition. Oya 1 plus 4. Nous n'avons jamais fait ça. Pourquoi ne pas Tshisekedi n'avait pas. N'est pas allé là-bas en disant voilà Kokoso Oyo Ezako Salema pour na diriger Mboka na biso. Parce que nous n'avons pas respecté les problèmes. Il y a légitimité à Batu. La légitimité ne s'obtient pas pour drainer les foules. Vous devez avoir un nombre spécifique. Comment corriger ma Kambaba parti politique? On en profite avec ces désordres-là. Il y a Kolobake, non, on a Kotika, la Mokonzi, tout ça. On ne pense pas à la solution durable de notre pays. C'est là le grand problème. Et c'est là où nous nous disons que Félix a failli. Azo Salaka, Makambundenge, Yeli, Elelo. Alors, je vais terminer par cette visite Oyo, il y a Félix Tshisekedi, à Kendaki, na Ouganda. Et là, je peux vous dire encore une chose que moi je vois Félix Tshisekedi qui ne réfléchit pas. Ça m'a fait sursauter en voyant encore Félix Tshisekedi aller voir Yoweri Museveni. Et moi, je crois que ça, c'était une réponse à ce que Frank Diongo a été au Rwanda et puis lui-même, il va en Ouganda et puis il va à Bujumbura. Il profitait aussi de faire un pèlerinage justement pour consolider son pouvoir, pour expliquer les gens, parce que toutes les solutions qu'on lui donne pour l'instant, ils ne veulent pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il ne réfléchit pas. Félix Tshisekedi a zako réfléchir, excusez-moi le terme, batoya ya fachi, bobo, excusez ngai. Moi, je pense que tout ce qui l'entoure, sachant que Mokonzi na biso azana ba insuffisance, il n'a pas une vision et il ne connaît pas la vraie solution du Congo. Ils en profitent aussi, balobi atozana bolole na tête à l'État, alors on peut faire du n'importe quoi, c'est l'argent qui compte, c'est notre Mabumunabiso Kandeza Kokonte. Ils ne pensent pas au Congo de demain, tous ces gens-là qui entourent le Félix Tshisekedi. On peut tout dire, on peut dire que nous avons faute à nos collaborateurs, on peut dire que c'est la faute à Félix Tshisekedi, mais en dernier ressort, c'est Félix Tshisekedi qui répondra à la situation à Congo. À Koka qui Kosala Angote, pourquoi? Parce que tout le monde, nous avions violé la constitution. Chaque jour, nous la violons tous les jours. Et ça faut à l'an, et ça faut à Mokonzi. Et ça faut à Mokonzi. Mokonzi n'est pas na erreur. Mokonzi n'est pas qu'à réfléchir malamouté. Mokonzi n'est pas qu'à satellite na réel problème à Congo. Le problème du Congo, ce n'est pas les textes. Ce n'est pas les textes, c'est ça l'application. Ndengenini. État congolais en autorité. Autorité n'angozani neza mapingate. Ce n'est pas l'armée qui assure l'autorité de l'État. L'État a le quintessens. Azana ba nani msufi a maîtriser. Vous pouvez me dire que nous avons un État congolais qui ne connaît même pas le nombre de ses habitants. Et ça, c'est le devoir de qui? Pour l'instant, na katia constitution oyo, le responsable premier, c'est le président de la République. Et ça, nous ne devons pas nous dérober de ça. Le responsable premier, c'est le président de la République. Parce qu'il a toutes les résolutions que les constituants lui ont données. Babilo Kwananyoso, est-ce qu'il a Ndakango? Pourquoi il est parti en Ouganda? C'est parce que je crois qu'il commence à sentir que non, Batango Naye est comique aussi là. Il ne sera pas là pendant 3-4 ans. Avec ce qui se passe à l'Est, avec avancé à M23, Félix Tshisekedi a peur. Azana kobanga sikoya koloba ke non makambo ya koki kobeba tikana nuna. Au lieu de s'atteler, nous avions dit que le problème était en interne. Toute la communauté internationale, les communautés régionales disent que non, il faut causer, il faut aller chercher la solution en interne. Mais Félix Tshisekedi ne veulent pas entendre de ça. Alingi koyoka makambo na te. Azako kosela kaka oh Rwanda, 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 Rwanda. Moi je pense que le Rwanda n'y est pour rien.
Le Rwanda profite justement de cet désordre qui se trouve en République démocratique du Congo pour se faire de l'argent. Et avec qui? Avec les Congolais qui ne sont pas unis. Avons-nous cherché l'unité nationale du Congo? Est-ce que c'est en proclamant « Oh, Toza Uni, Akosolana, Katumbi, Akosolana, Nafayulunde, Unité Koya » Nous ne sommes pas là pour l'unité des politiciens. Remettez le pouvoir au peuple et que le peuple puisse savoir se consolider ba unité na bango, il y a qu'à résoudre ba problème na bango na kati. C'est par là que j'ai dit. Nous, notre proposition, c'est quoi? Si Félix Tshisekedi pouvait réfléchir, il y a qu'à l'oba bon bande konangai, to bandana masolo. Voilà comment est-ce que nous allons rétablir l'ordre en République démocratique du Congo. Il a tenté l'histoire de Yaba carte d'identité. La carte d'identité, c'est un processus. Ce n'est pas tout simplement à avoir une machine et commencer à imprimer des cartes. Non! Ce n'est pas ce que nous avons comme des cartes d'électeurs. Non, ça c'est... Et ça, tout le monde, surtout, c'est inanime. Non, ça c'est de la foutaise. Ça n'est pas frappé. La carte d'identité, c'est un processus. Quel est le processus que l'ONIP a fait pour mettre en place à ce que tous les Congolais puissent être identifiés et octroyer une carte d'identité? Quel est ce processus-là? Est-ce un processus déclaratif? Tout le monde peut se déclarer. À ce moment-là, nous aurons des Indiens, des gens de malfrats qui viendront se proclamer des Congolais. Et ça ne sera pas intéressant. Ça ne sera pas intéressant. C'est pour cela que moi, je pense qu'ils se sont rendus compte que et là, comment ils allaient qu'au salaké, et là, quand ils allaient m'abienter, c'est parce qu'il n'y a pas un processus qu'ils ont mis en place qui va convaincre tous les Congolais à entrer dans ce processus-là afin que l'État a récupéré le pouvoir. Il y a qu'au tiens Mibeko, il y a qu'au faire appliquer Mibeko. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans la jungle. Alors, voilà mes chers amis, moi je pense que nous tendons vers la fin de cette émission et je dois conclure par ici en vous disant que oui, il y a moyen de changer certains articles dont Natange Libino Awa. Il y a qu'on modifie yango pour que tout mes kananou ko zoaba solution, il y a ba impunité, il y a répartition à pouvoir. Ezali ba article on ezali, on peut les modifier. Processus peut, tu sais qu'elle dit, azan ango na na table na, selon la constitution. Mais dans le contexte actuel, il est difficile d'obtenir l'aval ou bien le peuple congolais bandima sans qu'il y ait la fondation faire comprendre aux Congolais ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour moi Tshisekedi, même s'il l'est déclaré. Dans le fait, nous voyons que Azako Lingakosa le loko na pour protéger pouvoir naye. Mais ce qui a créé na batu ya koloba to préparer 4e République à otoza ko prôner, ya koloba to ko koma kuna ndenge nini. Voici comment est-ce que moi je vois. Comment est-ce que nous allons refonder, par exemple, notre pays? Commençons d'abord par l'identification. Commençons par obtenir cette unité nationale. Et cette unité nationale, je pense qu'il peut être obtenu en convoquant les états de lieu de chaque territoire qui seront souveraines dans leur territoire en disant « Bisso, voici ce que nous avons, notre point de vue sur la nationalité, sur toute cette matière. » Parce que moi, j'ai dit ceci. La convocation de cette grande messe sur toute l'étendue du territoire que j'appelle les états de lieu de chaque territoire ne devrait être que dans deux étapes, c'est-à-dire que, et deux objectifs plutôt, c'est-à-dire obtenir l'identification et l'identification et le recensement de la population et avoir un consensus pour que ce consensus-là puisse leur permettre de réfléchir sur une ébauche d'une nouvelle constitution. Et que leurs histoires, leur masolo na bango kuna na territoire, elles sont vraiment souveraines, que tout le peuple congolais puisse s'exprimer. Ainsi de suite, tant que tu as un territoire, tu as un texte na bango, tu as une province, tu as une certaine symbiose à un point de vue, il y a un territoire. À ce moment-là, le peuple congolais se reconnaîtra et signera adhésion. Et là, je parle de quoi? Je parle de tous les 450 tribus. Parce que c'est là où nous allons reconnaître qui est congolais. Bango moko basiba miye bibalo bibiso a toza 300 000 personnes nakati ya territoire nabiso yango. Ces personnes-là, nous les avons identifiées.
na kati ya ba groupe ah toza na ba tribu so ki 4 na territoire na biso to yokani to lobby biso to ko vivre ensemble sur les matières de la constitution et puis il s'identifie ce qui va s'identifier na côté on a c'est à ce moment-là qu'on peut se dire que non bon OK maintenant nous venons en province et batou na batoubaye nous saurons le nombre total na batou nini baza na kati ya ba territoire. Et qui peut parler au nom du peuple congolais? Là, nous serons. Mais aujourd'hui, vous allez prendre les gens qui ne sont même pas délégués. Batouana n'a pas délégué Bango. Qui les a délégués? C'est comme ça que Eloko Anasso qui te vend ici en haut. Je pense que c'est ça qui sauvera notre pays, Bande Konangai. Bande Konangai, vous savez que réflexion, Tosuka Kakaka, n'a coupé sa suggestion à Bissot, et que ici la Kate. C'est-à-dire qu'il y a une suite. 4 suggestions ont gagné lobby à Bakoko soit banti à banani. La prochaine fois, nakoye la bino, ce que j'appelle les articles, nous allons les lire. Na ebi sabino que Koko soit bon mon abino moko que non. Pourquoi on n'a pas arrêté Matata? Pourquoi Batubayi Bakamongo puis Bakanga Makate? Je vais vous amener tous ces articles là. C'est pour cela que je vous demande de vous abonner. Bao baza abonnete, bo partager pe ba émission na biso pour que to yan biso nyoso to clore likambo o ya constitution to le kana makambo susu to za kokuna na est. Nous ne trouvons pas la solution. La solution ne sera pas à modifier la constitution verbalement comme ça. Nous devons pratiquement préparer la 4e république. Mais faisons attention parce que ce qui M23 AFC kuna ya nanga et continuer na ndenge bazo kende. Nous sommes très mal barrés. À moins que Bango Bazala Sikoyo na mutema ya malama kolobake non koko so amboko ezali yango eza boye 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 to lingi to modifier boye pour que to remettre pouvoir na peuple bango moko ba corriger ou appliquer même les recommandations qui ont été faites par le peuple en 2001 ici à Sand City ba recommandation en etikala kaba lettre morte. Je parle ici de l'identification et le recensement de la population, la reconnaissance. Bah parce que Babiloko eza koleka kuna na est, beaucoup de gens profitent à cause des problèmes identitaires. Nous commençons à taxer n'importe qui, Mounia Rwanda, tout ça, et ça fait des années, nous n'avons jamais élucidé ce problème-là. Mais je vous assure que le jour où nous tairons cette discussion-là, et que les Congolais, comme ils se respectent entre eux, Togoye, que Oaza Mouluba, oui, Oaza Mounia Moulenge, oui, Oaza Mounde, oui, Oaza Mounande, oui, Oaza Boeboe, oui, et ils sont inscrits dans la liste de tous les Congolais, nous aurons à traiter des problèmes. Facilement, nous aurons à avoir des consensus, à mettre en place des structures qui pourront avoir des consensus. Il y a un na lobaki et qu'outa na territoire et na province après na province et que na national. Et nous là, nous aurons à nous exprimer. Si nous allons aller dans le fédéralisme ou bien nous allons aller dans l'unitariste ou bien tokotika la constitution ou mbata à lobaki que c'est la meilleure constitution. Voilà, bande konangai, abonnez-vous, ba discussion, yangwana tozako kenango malembe malembe. Et je suis sûr que nous trouverons une solution. Donc, merci encore pour ceux qui se sont abonnés aujourd'hui. Parce que, komiti sikoyo, na bandi ke ba comprendre quelque chose. Et que si vous n'êtes pas encore abonné, vraiment, je vous supplie de vous abonner. Parce que l'idée que nous avançons ici est en train de grandir et acceptée par tout le monde. Tofinga nakate awa. Nous ne menaçons pas personne, mais nous voulons à ce que le veille au toza ko prone awa ekomati na ba congolais nyoso toza la conscience que mboka oyo chinois mutokoya ko bongisa ngote ni français ni américain ni quoi que ce soit, ça sera construit par nous le peuple congolais. Misala biso mokonde to ko mipesa misala dès que nous aurons à récupérer notre indépendance totale. Merci, on se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.